Ah, j'ai mangé, j'ai bien mangé. Vous avez mangé? Vous avez rompu le jeûne? À tous. Bon, je me suis fait, je me suis fini mon petit riz, mon petit poulet, mon petit naan. Ça va très bien. On est très bien. On est en pleine forme là pour reprendre ici. Bon, on a dit qu'on se faisait un blind test ou pas là? Mon best-of est extraordinaire. Oh, les gars, c'est bon. Je suis qu'à 2% de mes capacités. C'est pas très grave. on se reprend. Attends, parce que là tout à l'heure on s'était chauffé. On s'était chauffé en mode on se fait un blind test, on se fait ci, on se fait ça. Moi je veux voir s'il y a des gens qui sont chauds, je veux voir s'il y a des gens qui sont forts. Par contre, effectivement, pour notre ami Casu, eh ben ça va être autre chose. pour sortir la Véodale, ça va être un peu compliqué. Alors, bim bam boum, hop, ça on va le mettre à charger. Je suis à combien de battery? Oh oui, on est très très bien. On peut s'en faire un petit peu là. Blind test de quoi? Blind test de quoi? Tout à l'heure on était. Bon, tout à l'heure on était dans la nostalgie, on était en train de discuter, on disait justement, oui les gars, c'est énorme. Quand on était jeune, qu'on regardait des animes, vous vous souvenez de ci, de ça, c'était fou. Et après on s'est dit, est-ce qu'on se ferait pas un blind test? Mais en vrai, je peux trouver de la catégorie, on peut faire du mix et tout. On se fait un blind test, je vais marquer, on se fait un blind test. Un blind test. Voilà. Voilà, je vais faire un blind test avec le chat, on va voir si vous êtes chaud. Et on va voir. Casu, il peut reproduire des musiques en faisant un peu de beatbox. Ah, après, un jour, il faudrait que je vous fasse un blind test de moi à la guitare. Mais il faudrait que j'apprenne des trucs, quoi. J'apprenne des trucs à jouer parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué de la gratte, là. Regardez-moi ça. Ça peut même pas être accordé. J'arrive plus à jouer. J'arrive plus à jouer, mais bon, voilà. Voilà, ouais, ils ont reconnu. Attends, il y avait. Je me souviens plus. Je me souviens plus, putain. Ouais, Wind Waker, c'est Wind Waker. Je m'en souviendrai plus. Mais ouais, ça fait longtemps qu'on s'est pas fait un peu de guitare, là, un peu de guizouze. Hein. Avant, on se faisait des petits lives musicaux, on se faisait des petits trucs. Ah ouais, putain. Ah, je me souviens, avant on se faisait des live musicaux et c'était la belle époque. Faudrait qu'on s'en refasse de temps en temps, pourquoi pas. Mais ouais, un de ces quatre, faudrait que j'apprenne des petits ouais, deux trois petites choses, je fasse un petit blind test à la gratte pour voir alors à l'ancienne. Oh, Gotaga. Oui, c'est vrai, c'était sur quoi le truc de Gotaga? C'était sur Renan Luce, la lettre. Je crois que c'est ça. Hein. Attends, Renan Luce, la lettre. Tabs. Je crois que c'était sur ça. Attends, que je retrouve la tablature, parce que je m'en souviendrai plus. Capot en 1, c'était quoi, c'est vrai? Et moi, je suis un homme. C'est ça. Ouais, ça doit être ça. J'ai reçu une lettre, il y a un mois peut-être, arrivée par erreur, maladresse du facteur, aspergée de parfum. Ouais, c'était ça, ouais, c'était bien ça. On l'avait fait sur Gotaga, et, mais je sais même plus c'était sur quoi, c'était à l'époque H1Z1 et tout est Quenty. Oh, c'était une belle époque, c'était une belle époque. Ah, après je peux faire un live musical, effectivement, on peut bosser là-dessus. On va qu'on fasse un live, un feat avec Lolo. On a fait Renan Luce la lettre, mais après on a plein de choses, hein. j'en ai quelques-unes en stock. Je peux vous sortir, on peut vous sortir de la musique. Bon voilà, c'était pour parler de ça rapidement. Est-ce que... Qu'est-ce qu'on se prend comme sujet en blind test, là tout de suite? qu'est-ce qu'on se prend? Merci pour le seul, merci pour le quatrième mois. Tu chantes bien, alors je m'abonne. Non. Alors, tu peux t'abonner pour plein de raisons, mais pas celle-là. Attends, est-ce que ça a fini mes runs, là? Et ouais, ça a fini mes runs, c'est bon. Vas-y, tu sais quoi, je vais fermer le jeu. Je rejouerai un petit peu après. Hop. Dessin animé. Vas-y, c'est quoi, on se chauffe en dessin animé. Vas-y, on se chauffe. Les gars, on se chauffe en dessin animé. Je vais chercher un blind test, c'est du dessin animé. On se la teste, on regarde. Blind test. Dessin. Attention, dessin animé.
je vais essayer de trouver un blind test qui est pas. Vas-y, tu sais quoi, je vais prendre. Attends, on va baisser, attends. Ok. Putain, il y en a des blind tests. Hein. On en teste un au hasard, on en teste un au hasard. Toute génération. J'ai pris un truc qui s'est pas vraiment précisé. C'est pas précisé, ok? On se chauffe, ok. On fait comment? Je regarde le chat, le premier qui donne la bonne réponse est le gagnant, d'accord? Ok? Là, j'en ai pris un au hasard, il est long. Après, jouer, comment ça s'appelle? Jouer jouer sérieux, quoi. Jouer sérieux, d'accord, le chat? Moi, je joue avec vous, hein. Je joue avec vous, je suis pas un tricheur. Je vais voir. Ok. On a 11 secondes pour trouver le nom du dessin animé. N'hésitez pas à mettre le blind test en pause pour les réponses. Voilà, on va faire comme ça. Extrait numéro 1. Bon, est-ce que je vous montre... Non, je vous montre pas. Je suis full premier degré. Je vous montre rien du tout. Est-ce que je vous montre le... Non, je vous montre pas. Je vous montre pas. Vas-y, on fait qu'à l'oreille. On laisse le son après, histoire de kiffer. Bah ouais, bien sûr. Après, on se passe dessus. Attends, je mets le premier. Bah oui, non, mais alors attends. Oui, bon, c'est foot de rue, évidemment. J'allais dire, premier extrait... Foot de rue, bah foot de rue c'était facile. Amitié. Ça c'était la foule. Ça les gars, foot de rue c'était mais genre méga banger. Il faut vraiment le dire, au bout d'un moment c'était une folie quoi. Je pense que c'était dans le top de la bangerisation. Attends, ce qu'on va faire, je sais ce que je vais faire, bougez pas. Attends, je vais vous faire une scène. Hop. Je vais faire ça, sauf que ces 7 trucs là, je vais la mettre en plus grand. Voilà. Voilà, je la mets comme ça. Tu sais quoi, comme ça, je vous montre les extraits en même temps. Ok, vous êtes prêts? On va enchaîner. Foot de rue, très simple, très très simple. Très très simple, extrêmement simple. Hop, je vous mets sur la scène. Voilà, comme ça, vous allez voir. Vous êtes prêts? C'est parti. Foot de rue. Ça, je regardais de ouf. La Panthère Rose. T'es sûr que c'est ça? Petit dessin animé que j'ai regardé quand même pas mal de fois quand j'étais gamin. On en avait pas mal, ouais. C'est pas trop ma génération en vrai. Martin Mystère, tous les jours. Je crois que c'est ça. Hein. Oh là 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 là, Martin Mystère! Et vous savez qu'il y avait un crossover de Martin Mystère avec. Comment elle s'appelle, les gonzesses là? Les Totally Spies! Parce que c'est le même truc, c'est les mêmes mecs qui ont fait ça. Et ils ont fait un crossover Martin Mystère Totally Spies. Incroyable! Ouais. Folie, hein! Martin Mystère, ça passait sur M6, M6 Kid. Ok. Magic, c'est quoi? Je sais pas ce que c'est. Oh, c'est quelle année ça? Magic. Dessin animé Magic. Ok, je vais aller voir, je suis curieux. Dessin animé. Par contre, le son il est bizarre des fois. Dessin animé Magic. Alors, Magic. Ça date TV d'animation. Ça date de quelle année? Série française, créée 2008. Ah ouais, c'est peut-être pour ça alors. 2008, ça commence, les gars, 2008, je passe en études, je finis mon bac. Enfin, 2009, je passe mon bac et après je suis en études sup. Donc là, les dessins animés, j'ai un peu lâché. Et je pense que si ça a été créé en 2008, alors ça arrive après chez nous. Je connaissais pas du tout. Je pense que je suis trop vieux, ouais. Ah oui. Here we go. Ça c'est gros banger, bah oui, vous l'avez les Total Spice. On en a parlé tout à l'heure. Here we go. C'est, en plus c'est français quoi, bordel. Oh putain, Scooby-Doo! Quoi neuf, Scooby-Doo? Nous on te suit partout. On va résoudre ce mystère. Quoi neuf? Nous on te suit. Mais putain, c'est quoi ces bugs de son, frère? On n'en peut plus. Fais quelque chose. Non, c'est très très dur. Attends, je vérifie si c'est bien le. Ouais, c'est ça, c'est son. Nous on te suit partout. On va résoudre ce mystère.
Ah oui, ça coupe le nom, mais ouais, bien sûr. Non, vous êtes trop fort. Ouais, pour moi, dans ma tête, je suis en mode vas-y. Mais non, ils auraient dû le laisser en vrai. Quoi de Scooby-Doo? Ouais, il coupe le titre, il a dit. Oh, Pokémon, Pokémon. Ensemble pour la victoire, Pokémon. Rien ne nous arrêtera. Notre amitié triomphera. Pokémon, attrapez les mêmes à notre âge. Pardon. Non, je suis désolé, c'est les émotions, c'est toujours les émotions. Oh là 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 là, on enchaîne. Oh putain, mais ça, je crois que c'est pas ma génération aussi. Je crois que je l'ai déjà entendu. C'est pas avec la meuf, là, Kim Possible ou un truc comme ça. Ouais, c'est Kim Possible, enfin, j'en étais sûr. C'était en mode ça, c'est pas mes générations, c'est pas moi. Mais j'ai tellement entendu que... Non, c'est ça, non? C'est bon. Ah, mais ouais. Pas ma génération, mais je connais. Oh putain, la mystérieuse cité d'or, Esteban Zia. C'est ton destin. Le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du grand condor, du chemin cherche les cités d'or. Et là. Esteban. Oh là là, oui, j'adore. Putain, c'est Corbeil et Bernie. Et c'est le chien et le gamin, Corbeil et Bernie. Attention. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est Corbeil et Bernie. Ça me régale. Ouais, c'est bon, c'est une vanne que je fais depuis 18 ans, frère. C'est bon, laisse-moi tranquille. Comme le chanteur Corbeil. J'arrête, hein, bah, tout le monde a reconnu. Titi, Titi, Teuf, Titeuf, Titeuf. C'est pas juste. Oh, c'est Donald. Le slip originel. Attention, vous êtes prêts, prochain. Ok, je l'ai pas. Ma maman, d'un jaune resplendissant, qui bouge avec le vent, et un papillon, ou un gros lion. Ah, c'est pas machin, dessine-moi un truc, là. Et pourquoi pas un camion. Didou, dessine-moi. Ouais, dessine-moi. C'est le seul truc que je me souvenais, mais c'est pas... C'est pas... Je regardais pas, les gars, je suis trop vieux pour ça. On ira, Code Yoko, me faire sucer, pardon. On ira, on saura sauver notre existence pour refaire un monde sans danger. Code Yoko, ouais, putain, ouais, ouais. Le générique, car il a série. Vraiment, le générique est mille fois au-dessus de la série. Oh. Ça, ça a l'air d'être un truc assez vieux, genre machin, Sophie, des malheurs de Marcelino. C'est Marcelino? Ah, j'aurais pas reconnu. J'aurais pas reconnu. Pas Manta. C'est vrai, non, vous êtes bon. Très très fort, Marcelino. Oh! Et voici, oui, oui! Eh oui, 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 oui. Beau taxi, tout, tout, tout. En avant, oui, 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 c'est toi qui conduis. Ok. Rythme étourdissant. Oh putain, ne dites pas. Étourdissant, là. Oh, je l'ai. Oh non, je l'ai pas. Si, je l'ai, mais attends. C'est la vie, c'est la vie, c'est Il était une fois la vie. Oui, il était une fois la vie, putain. Oh, ça m'a bloqué. Ça m'a bloqué, c'est bon, je l'avais, pas de panique. C'est ma fille, elle adore ça. La vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la... Allez, tous ensemble, c'est la vie. Ah oui. Ça, c'est Eric et Ramzy, attention, les rats. Pas de panique à bord, le fun et la vitesse d'abord. C'est les rats qui sont là pour ça. Pardon.
Oh putain. Non, bah attends, non, c'est de l'anime ça. Non, je suis en train de péter un plomb, je crois que je confonds avec autre chose. Dans ma tête, c'était l'opening de... c'était l'opening d'anime, j'ai pété un plomb. C'est Rick et Morty. Non, non, c'est pas ça. Si, c'est ça. Oui, c'est Rick. Rick and Morty. J'aurais pas retrouvé du premier coup, en vrai. Oh oui. Viens au pays des Schtroumpfs. Mais voilà, on va pas faire la suite. Les Schtroumpfs. Viens, on t'emmène avec nous. Ah oui, chouette. C'est les Schtroumpfs, c'est les Schtroumpfs, les gars. Les Schtroumpfs, c'est pas Tom Sawyer. Attendez, oh, oh, oh. Inspecteur Gadget. Ah mais qui voilà, Inspecteur Gadget. Oh là, je suis là, Inspecteur Gadget. Banger. C'est moi que voilà. Banger. Ben 10. Ben 10. Ben 10. Askip, moi c'est pas ma génération, mais Askip c'est banger Ben 10. Apparemment. C'est vraiment, quand tu regardes le truc et tout, à ce qui paraît, c'est vraiment banger quoi. Ah oh, oui. Attends, c'est Capitaine Flamme. Ouais. Yes! Capitaine Flamme, tu n'es pas de notre galaxie, mais tu l'as traversé. Capitaine Flamme, d'eau si loin que l'infini. Allez. C'est mon père qui aimait beaucoup, calmez-vous. Oh putain, j'ai un trou de mémoire, je l'ai déjà entendu mille fois. Des animaux à l'ancienne, ça? Je vais pas retrouver, je pense, attendez. C'est Cat Size? Cat Size. Oh, j'ai eu sur le fil. Oh, j'ai pas retrouvé. Ça, j'aimais pas du tout, Cat Size. Signé, Cat Size. J'aimais pas. Pas mon délire. Oh, les zinzins de l'espace. Non, Guy les cafards. Attends, non, les zinzins de l'espace. Les... C'est les zinzins de l'espace, non, c'est Iggy Pop et c'est bien les zinzins de l'espace. Ok, les cafards, c'est pas ça. C'est bon, c'est bon. Ah mais des fois, j'ai le droit d'être. Je peux avoir des failles, les gars. Bah, c'est Yu-Gi-Oh! Ah, on est d'accord, hein. Yu-Gi-Oh! Wow, 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 wow! Oh putain! Et c'est Franklin! Franklin, la putain de tortue qui savait lasser ses chaussures! Oui, comptez deux par deux, Franklin! Et c'est Franklin, il débarque chez toi avec tous ses amis! Je crois que c'était ça! Regarde le grand rire! Oh oui, regarde le grand rire, Franklin! Allez, tous ensemble, chat! Avec tes amis, il se fait victime. Pardon. Hyper vitesse, Beyblade! Beyblade, Beyblade, hyper vitesse! Attends, mais c'est lequel de. Non, mais les gars, je suis désolé, c'est pas le vrai générique. Voilà, là, il faut quand même qu'on dise les choses au bout d'un moment. Ça, c'est pas le vrai générique de Beyblade! Beyblade, le vrai générique, c'est ça. Ok, 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 ok. C'est. Oh, Beyblade! C'est ça le vrai générique. Ah, c'est celui-là? T'es sûr? Bah, j'ai pas entendu le best. C'est ça le vrai! Il te faut fendre l'air comme un aigle en chasse. Résister à l'assaut pour mériter ta place. Faut que tu sois gonflé à bloc. Attention! So be played! Ça y avait un mec, c'était un rocker quoi! Hein? C'est... Hyper vitesse! Bon, que ça.
super vitesse. Son Beyblade. Le mec dans sa tête, il est au Stade de France. Son Beyblade. Ça me fusille. Incroyable. Il savait se donner sur les génériques. Mais je suis complètement d'accord, mec. Ça, c'était du générique. Achète ma merde. Effectivement. Ah, c'était la folie. Putain, ça, c'était la belle époque. Là, alors, on l'a reconnu, mais c'est pas le meilleur, c'est pas le meilleur. C'est Metal Fusion, c'est moins bon, c'est moins bon. Mais bon, ça, c'est pas mal. Wakfu, jamais regardé. On dirait du Evanescence un peu. Ok, Wakfu. Jamais entendu parler de ma vie, je sais pas ce que c'est. Non mais c'est vrai, c'est pas... je connais juste de nom, jamais regardé. Désolé. Ah bah désolé les gars, oh ça va. Je regardais peut-être. Oh, pas de patrouille, ça je connais, ça c'est banger. C'est chaud, ses amis viendront s'en occuper. Il y aura ma fille, elle serait folle. Stella. Pas de patrouille, dès qu'il y a une embrouille. Pas de patrouille, ils nous cassent les couilles. Eh ouais les gars, alors, personne a trouvé là, hein. Ah, les Animaniacs. Non, c'est pas les Animaniacs, c'est pas Sylvestre et Titi. Gros Minet, je confonds à chaque fois les deux. Je crois que c'est Sylvestre et Titi. Non, c'est pas ça. Ta-na-na-na. Ou non, c'est peut-être autre... Alors, ça doit être autre chose. Non, Sylvestre et Titi, il dit Sylvestre et Titi, attends. Tom et Jerry. C'est forcément Tom et Jerry si c'est passé de là. Voilà, fait chier, je me fais avoir à chaque fois, je suis trop nul. Oh putain, on l'a tous, le Toyo Toyo. On l'a. Non, vous l'avez pas. Princess Sarah. Mais les gars, bah juste le, en fait c'est juste le début qui fait twin twin comme ça, t'es obligé de l'avoir. Dramatique. Je sais pas ce que c'est. Rekit, qu'est-ce que c'est que ça? Rekit, qu'est-ce que c'est que ça? Rekit. Série télévisée d'animation française, 100 épisodes, hein, c'est sorti. Oh oui, d'accord, non mais les gars, c'est sorti en 2011-12, les frères, vas-y. Non, bah aucun regret, c'est trop, je suis vraiment, c'est pas possible. Pas mal en vrai. Oh, le Galactic Football, le Fluid. L'espoir renaît. Une jeune génération de joueurs est à nouveau capable de ressentir le souffle d'Aquilian. Sauront-ils le maîtriser? Banger. Notre avenir en dépend. Galactic Football. Désolé, ça c'est de la merde en termes de générique, hein. C'est full, c'est on l'entend quoi, que y a de l'autotune quoi. En pesanteur. Attends, mais je vais vous le faire, moi aussi je peux le faire le générique. Défie les lois de la pesanteur, Wartek. Non mais c'est quoi cette merde? Putain, je crois que j'ai déjà vu. C'est la meuf qui est pieds nus là. Ça avait l'air à chier. Il y a un mec qui l'a eu dans le chat. C'est Akantaz, chasseur de dragons, gars. Tu l'as eu de suite. J'aurais jamais reconnu. Je ne sais pas ce que c'est. Je pense que c'est trop vieux pour moi. Enfin, c'est trop récent pour moi. Pas mon époque.
c'est pas. Mais là, il m'a ruiné ma phrase. Là, j'attendais le Albator maintenant. Il m'a feinté. J'aurais pu mettre quand même le Albator, hein, c'est des bâtards. C'est quoi ça? Gormiti, le seigneur de la nature. Gormiti, le seigneur de la nature. Mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai entendu parler. Gormiti, le seigneur de la nature. Ouais. Gormiti ou les seigneurs invincibles de la nature. Un jeu créé en Italie en 2005. 4 séries télévisées d'animation adaptées du jeu ci-dessus. 2009, Gormiti, Chemiti. C'était en 2009, 2011, 2012, 2018. D'accord, bon, c'est pas ma génération, encore une fois. Donc, je connais pas du tout. Mais à part, c'est italien. Oh, ben ça, c'est. Oh, ça, oui! Ça, c'est récent, mais je connais la musique. C'est pas Gravity Falls? C'est pas ça? C'est Gravity Falls, ça, je crois. J'adore le générique, il est banger. Il est incroyable. Le générique, il est insane! Non, le générique, je le place et au bas mot, dans le top 5 des génériques of all time. Il est incroyable ce générique, non, c'est une masterclass. Oh, elle est venue de Maya l'abeille. Maya l'abeille, bro. Ça, c'est ça, tu me touches pas sur Maya, frère. Ok, la prochaine. Ladybug. C'est Miraculous, Ladybug. Et il y a un film qui sort en juillet. Et c'est français. Par contre, vous savez que la dernière fois, je suis tombé par pur hasard. J'ai découvert des comment ça. Alors ça, je connais parce que ma fille a regardé. Et puis c'est français. En vrai, c'est bien. C'est franco-coréen, je crois. Et j'ai trouvé un game sur ça, gars, sur YouTube. Il y a des gens, leur chaîne YouTube, elles sont spécialisées sur Miraculous. Ils analysent les épisodes, ils sont en mode oh, non, là, je pense vraiment que Chat Noir devrait faire ça avec Marinette. Oh non, j'aimerais tellement qu'il tombe amoureux et tout. Et vraiment, il y a un vrai game de ça. Mais tu te dis, oh, c'est des enfants. Non, c'est des adultes. Et ça me fusille. C'est des grandes personnes de 28 ans qui sont en mode non, mais là. Et ça me régale. Ça me régale. Les gens sont heureux. Il y a des vidéos théories Miraculous et tout. Ils font des reviews et tout, ouais, je te promets. Mais c'est mignon, tu vois, c'est juste que je me vois pas faire ça sur Miraculous. Mais par contre, je ne déconne pas que Miraculous, même si vous êtes adulte, vous pouvez regarder, c'est vachement bien. C'est vraiment, vraiment très, très bien, quoi. Donc voilà. C'est vraiment banger. Oh, c'est Winx. Ouais, putain, ouais, on est les Winx. C'est pas ça? Les gars, non les gars, en ça, les Winx, débat parallèle ou... Non mais parce que les nanas, j'assumais pas Bengar, il y a plein de gens qui assumaient pas hein, de regarder les Winx alors qu'en vrai les Winx c'est pas mal, mais bon bref. Le Winx Club, quoi, les gars. Mais il y a une série sur Final LDC. Vous savez qu'il y a une série qui est sortie là sur Netflix il y a un petit moment maintenant. Il y a eu la saison 2 que j'ai même pas regardée. Mais et je me suis dit, tiens, tu sais quoi, vas-y, je vais regarder la série. La série pour voir un peu Winx et tout sur comment ça s'appelle, sur Netflix. Waouh. En fait, le problème, c'est qu'on vit dans une époque où faut... Si la meuf, elle dit pas que le mec en face fait du mansplaining, la terre explose, quoi. Donc déjà, la deuxième phrase prononcée dans la série, c'est « t'es en train de faire du mansplaining ». J'étais en mode « waouh ». Je commençais à serrer mon poing comme ça, voilà. Je commençais à tabasser mon mur, bam, je commençais à exploser mon mur. Je commençais à grandir ma maison qui prend de suite 30 mètres carrés supplémentaires. Ah, vas-y frère, c'est bon, on a le droit d'être heureux ou pas? Putain, frère, on s'en fout là. Ouais, moi, je suis une femme forte et tout. Nique ta mère.
Dommage, ça aurait pu être bien plus banger parce qu'il y avait des petites idées, il y avait des petits trucs que j'ai tout regardé par respect. La saison 1, ça pouvait être pas mal, mais ils en ont fait, ils l'ont transformé en 2022. Quoi. Tiens, le flamboie d'un rayon de mal. On se prenait pas la tête à l'époque, putain, on avait rien à foutre que la meuf, elle veut le galoche une meuf, un gars, un machin et tout. Elle arrivait, elle avait des pouvoirs et nous on était en. Vas-y, dégueule sa mère. Et c'est ça qu'on voulait, on s'en foutait qu'elle sorte, elle dit non, mais attends. Je me sens pas. Oh, vas-y, c'est bon. C'est pas tranquille. Pour marquer les buts, on donnera tout. C'est normal. Attends. Hey, vas-y, cours et la victoire est en toi. Et le stade en folie salue la force d'Inazuma. Il y a un dessin animé sur ça. C'était bien ça. Inazuma, je connais juste parce que c'était un jeu vidéo qui est sorti sur DS. Voilà, c'est tout. Je sais pas du tout. Banger, incroyable, à chier. Sympa. Insane banger. En vrai, ouais, quand t'as 8 ans, quoi. Ouais, faudrait que je vois. Oh, la famille pirate! Let's go! Les gars. En vrai. La daronne de la famille pirate. Non, les gars. Non mais en vrai, bon bref. Champions League. La sardine. Non, c'était incroyable. La famille pirate, par contre, je vraiment, j'ai que des bons souvenirs. Banger absolu, quoi. C'est extraordinaire. Oh bah putain, oui. Je refuse de regarder le chat. Oh, j'ai un trou de mémoire. Pourquoi j'ai. C'est Kid Paddle. C'est Kid Paddle, c'est bon. Le truc, c'est que Kid Paddle, moi j'ai beaucoup plus lu que regardé. Je crois que j'ai dû voir un ou deux épisodes de Kid Paddle. Mais je lisais beaucoup plus, je préférais la BD. Comme Titeuf, je préférais les BD que des animés. Paddle, c'était incroyable, vraiment incroyable. Vraiment, c'était les meilleurs génériques, les dessins animés des années 80, tout ça, parce qu'il y avait tellement d'intention dedans. Ils prenaient, t'as l'impression qu'ils prenaient des mecs, des gens en chorale, ils avaient fait ça toute leur vie. C'était le prime des génériques, putain. Ulysse revient. Tu n'es pas de... Oh, le bus magique, c'est ça. Tu n'es même pas étonné de voir un poulpe. Ça, c'était fou, ça. La meilleure, on voulait tous être dans cette classe. On voulait tous être dans cette classe, les gars, bien sûr. Sur le bus magique, on voulait tous être dans cette classe. C'est incroyable, énorme banger. Et ça, ils ont fait l'affront de faire un remake. Ignoble. Non, c'est trop. Qu'ils laissent ces dessins animés là où ils sont, en fait. Juste, on en a marre. Foutez-nous la paix. Vous voulez que les jeunes s'intéressent à ces dessins animés qui étaient des bangers, mais c'est très simple. Enlevez-le du 4 tiers, faites-les en 16:9, faites un remake, pas un remake, vous faites juste un truc HD dessus, là. C'est tout, frère, laisse-nous tranquille. On peut plus. Des remakes et des machins, des trucs, non. Crée tes dessins animés, me casse pas les couilles. Fais un remaster 4K, voilà, c'est bon. Raconte-nous. Ouais, Père Castor, raconte-nous une histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Père Castor, raconte-nous deux histoires. Même deux histoires. C'est moi, ça. Père Castor, guys. Mets tes lunettes et les loutous. Père Castor, raconte-nous une histoire. Père Castor. Mais les gars, vous pensez qu'on peut se regarder des épisodes de Père Castor? Mais les gars, je vous promets qu'on va se trouver un créneau maintenant où on va regarder des dessins animés. Hop, Père Castor. Père Castor, épisode. On a des épisodes. Il y a des épisodes, frère, de Père Castor. On va regarder. C'est la folie. Et les droits, que j'ai à foutre des droits, mec. J'en ai rien à branler, moi, des droits. Père Castor, frère. Oh oui, bah ça, c'est Oggy les cafards.
D'ailleurs, les gars, comme je suis solo chez WAM, là, je vous le dis, j'enregistre un compte soit cette nuit quand j'ai arrêté de streamer, soit demain matin quand je me lève. Voilà, je vous le dis, vous avez l'info ici. Il y a Bugs Bunny et Daffy, donc ça doit être les Looney Tunes Junior ou une connerie comme ça. Quand c'est des bébés là, je crois. Ah, c'est ça, bah Baby Looney Tunes, c'est bon, j'ai dit Looney Tunes Junior, c'est bon, j'ai le droit. J'ai le droit. Ah, ils ont tout décliné, les gars, normal. Bon, bah, les gars, Captain Tsubasa, Olive et Tom. Crochet et on a marqué. Allez, tous ensemble, le chat! Olive et Tom, ils sont toujours ensemble. Tom, Olivier, ouais putain. Oh, ça c'est fini assez ferme. C'est pas ma génération, mais j'ai regardé avec ma fille. Ça je connais ça. Et ça c'est vachement bien. Sur les vagues, on fait des Adibou, il a dit. Vraiment, dessin animé Adibou qui dit. Là, ouais, d'accord, ok. Ah, Kangoo Junior, c'est les Kangoo Junior. Ah, les Kangoo, c'est pas les Kangoo, c'est les Kangoo Junior, ça, c'est sûr. Les basketteurs fous. Moi, je préférais les Kangoo que les Kangoo Junior, par contre. Ça, c'était lourd de fou, ça. Kangoo Junior, c'était moyen, mais les Kangoo, frère, c'était une dinguerie. Ça c'est Mickey, la maison de Mickey, en tout Mickey. La maison de Mickey, c'est mort. La maison de... Bah, ça l'emmerde un peu parce qu'ils disent que ça hein, dans le générique. La maison de Mickey. Oh, 3, 2, Jimmy Neutron. On dirait un peu la voix du mec de Crash Bash. Tu gagnes, tu perds. Ripperou gagne. Je mets les gaz. J'aimais pas trop moi, Jimmy Neutron. Bon, c'est juste il avait son cerveau en érection, quoi, mais c'est tout. Bah attends, mais c'est Emmanuel Curtil qui fait le générique. On dirait vraiment sa voix. C'est Emmanuel Curtil. Générique. Générique, Jimmy Neutron. C'est qui chante? On dirait vraiment la voix d'Emmanuel Curtil. Hein. Chanteur. Non mais français, bordel de merde. C'est bon, mais... Jimmy Neutron. C'est Emmanuel Curtil, putain des barres. Incroyable. Je savais pas. La folie. Oh bah ça se reconnaît de suite. Génial. C'est quoi, c'est Star Wars? Bon, je pense que c'est Star Wars. Ça les gars, je vous ai dit hein, que j'étais pas fan de Star Wars. Ça, si vous avez pas vu, c'est incroyable. C'est vraiment, vraiment insane Clone Wars. Vraiment très fort. C'est le lapin crétin, juste, mais c'est par déduction. Ma fille a regardé un petit peu le lapin crétin, ça l'a fait rire, elle aime bien. Il y a une série Lapin crétin, je crois que c'est sur Netflix, je sais plus quoi, elle regarde, elle aime bien. Ouah, les tortues ninja! Kawabunga, le cri des ninjas! Attends. La loi! Ils sont plus... Putain, j'ai plus les paroles! C'était pas le bon extrait. Non, faut qu'on se le remette en entier. Faut qu'on se remette. Tortue Ninja, c'est une folie furieuse. Tortue Ninja, hop. Tortue Ninja, générique.
Hop, vas-y gars, on y va, en régalade. Tortue ninja, Kowabunga le cri des ninjas. Quatre tortues d'enfer dans la ville. Chevalier des cahiers de vinyle. Ce sont des guerriers fantastiques. C'est incroyable. Putain, mais on a... Ça, c'est des génériques de fou, frère. C'est des génériques de zinzin. Mec, il a tout donné, sa voix, les zinzins et tout. C'est... Non, c'est une folie, frère. Oh, joli pas en même temps. Tout à ta. Waouh, ça fait comme ça, là, attendez. Oh, j'ai pété mon crâne, je vais pas retrouver. C'est Dexter, oh, putain. Je m'en veux énormément. Voilà, c'est la première fois que... Voilà. Je m'en veux, 17 minutes 32 de blind test et j'échoue. C'est l'Avenger ou quoi? Mon nom est Kai. Ma mission, conquérir le Cairo. Pff, c'est quoi ce truc? C'est quoi, qu'est-ce que c'est que cette merde? Quoi? Je dois conquérir le Cairo. Pff, qu'est-ce que c'est que ce truc? Redakai. J'allais voir. Redakai. Redakai, les conquérants du Cairo, d'accord, ok. Ça sort en quelle année ça? 2011, ah bah, c'est pas ma génération évidemment. Et, okay. Et c'est Donald Réunion, je me disais, mais c'est la voix de Donald. C'est Donald qui fait Kai Stax. Putain, mais ça, il avait pas mieux ou quoi? C'est Dodo. Non mais il a tout fait Donald, c'est très grave. Hein. Mon nom est Kai. Ma mission... Conquérir le Cairo. Il parle, tu sais, il parle. Mon nom est Kai. Ma mission, conquérir le Cairo. Je suis Donald Cairo. Bonsoir. Il parle. Il a fait une voix un petit peu nasillarde. C'est reparti. Crie très fort au moindre danger. Sera là pour te sauver. Sans hésitation, sans peur. C'est le bon pied. Waouh, non, j'ai aucun regret là-dessus. Pas vu. Grabouillon, non mais putain de merde, c'est quoi cette merde? Bon, c'est pas pour nous, ok, non, c'est bon, c'est pas pour nous. Désormais leur vie à combattre le crime. Oui, des super nanas, oui. Et les forces du mal. Oui, les super nanas. Comment il dit comme ça? Les super nanas, grâce à l'agent chimique X. Belle, bulle et rebelle. Oh bah tu, c'est le Looney Tunes. Putain la folie. Ouah c'est trop trop. Vous avez les mottes. La trop trop dans le chat. Trop. Bah, oh, trop. Bah ouais, bah du coup, il peut rien chanter, le pauvre gars. Ça rend fou. Trop rigolo. On s'était fait des réacts de trop. Vous souvenez quand on se faisait des réacts de trop ici? C'était une folie, hein. C'était une folie. Batman? Ça, hein. Batman, la série de... Ah, petite pause droit d'auteur. Ok, bon, bah, pas de galère. Ça, c'est la meilleure série Batman des séries animées. Batman 92, ça, les années 90, ça, c'est ça.
Amandine, ta maman. Amandine, d'accord, c'est Charlotte aux fraises. Oh, j'en sais rien. Ah, mais c'est Booba! Booba, Booba, mon petit ourson. B2O. C'est pas la grande récré? La récré, la cour de récré, là, le truc de la récré, c'est pas ça? Je crois que c'est ça, hein. La cour de récré avec, ils ont des tétés, frère, la meuf, elle est comme ça, elle a des dents, elles sont comme as. Ouais, c'est ça, la cour de récré, ça passait sur le dimanche, ça passait ça, à l'époque. C'était la folie, ça, par contre. Immense banger. Et ça, ça passait le dimanche matin. Papa, papa, la, papa, papa, mais putain, pourquoi je trouve, c'est Dora. Dora. Non, shipper, arrête de shipper. Mais ça, c'est Dragon Ball? Non. On dirait Dragon Ball. Ah non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est Goldorak. Prince de l'espace, viens vite, viens. Oui, c'est ça. Désolé pour les fans de Goldorak, je déteste Goldorak. Viens défendre. T'es un mecha, quoi. Rien à foutre. Oh bah oui, les Simpsons. Ah désolé, bah c'est bon, on peut pas avoir que des qualités. Il était dur celui-là, il était dur. Bon bah ça, on peut pas dire que c'est pas un banger, hein, Simpson, frère, c'est la folie. Puis avec moi, vous l'avez tous partagé, de grandes aventures et de joie. Un peu de magie. Je n'ai aucun regret. Mais il y a un mec, premier degré, il marque MLP. Je dis, mais pourquoi il marque Marine Le Pen dans le chat? Il a pété un plomb, quoi. Et j'ai capté après. Mais bon, bref. Pas de... Je te promets, hein, j'ai vraiment lu MLP. Je dis, mais il est fou, quoi. Genre, Zarma, c'était un dessin animé, Marine Le Pen. Oh, je regardais tous les matins. Oh là là. Oh, les aventures de la famille Le Pen. Boudu, que c'était drôle. Mais Tom Sawyer, c'est l'Amérique, évidemment. Amérique, le symbole de la liberté. Il est né près du bord du fleuve Mississippi. Tom Sawyer, c'est pour nous tous un ami. Regardez ces grands yeps qu'il a. Il est toujours ça, c'est un Américain. Oui, capitaine. Bob l'éponge carré. J'ai pas entendu. Oui, capitaine. Rip. Oh. Qui compte bien y faire carrière? Bob l'éponge. Oh, oh, je l'ai, attendez. Cédric. Oui, c'est Cédric. Persuadé que c'est ça. Alors, gamin, quelle vie on mène tout de même quand on a 10 ans? Ouais, je m'en souviens. Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans? 8 ans, ouais, c'est bon, vas-y, à 2 ans près, frère. C'est tout? Je serai son pareil pour faire lever le soleil de derrière la grande ours. De haut mon petit nuage, je recevrai les messages, les bisounours à la rescousse. No regrets? Non, ça va. Pas, non, bah, pas, y a pas de soucis. J'imagine que c'est l'apprenti du Père Noël. C'est vraiment l'apprenti du Père Noël. Né orphelin. Gros mot, oui, c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse, c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. C'est Martin Matin, putain. Ça, Martin Matin, j'ai connu un peu sur la fin. C'était rigolo, ça, Martin Matin. Agent secret ou Dracula. Tous les matins, il lui arrivait une dingue. Il se réveillait, frère. Il se réveillait. Il avait une beuteuse de 50 cm. Comment je vais faire pour m'en sortir aujourd'hui? Non, mais c'était une folie. Hein. Martin Matin, il a une aventure différente tous les jours. Quand il
Sam Sam ? Je connais pas. Sam Sam. Ah, c'est lui, le mec en rouge, d'accord. Je l'ai déjà vu, mais je savais pas ce que c'était. Ok, ok. Merci pour les subs, merci Doumarche, merci Voltro. Ouais, regardez, on est plus de 2300 subs, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Merci les amis pour les subs à la chaîne. Putain, hé les gars, vous savez que je te promets, on dirait une intro de Tekken. Mais je vois pas ce que c'est. C'est Jackie Chan. Ça par contre, putain, le générique m'a pas marqué alors que mec, la série elle est incroyable. La série elle est insane, vraiment. Banger ça. Clifford le gros chien rouge. Injouable. Et il a fallu déménager. Ok, on va déménager. C'est l'ami que chacun espère. C'est aussi le plus grand chien qu'il y a sur terre. Le grand chien rouge. Ah, je l'ai. Le gros chien. Oh, c'est Shuriken School. Fallait juste que je me le remette trois fois dans la tête. Alors ça pareil, ça fait partie des fraudes que je connais dans le sens où je n'ai jamais vu Shuriken School puisque c'est pas ma génération. Mais à force de faire des blind tests dessins animés. C'est trop bizarre. Une nouvelle vie qui commence par un flashback vers le passé. Ah c'est Détective Conan, non mais vraiment. Arrête. Wow, j'aurais jamais eu, frère. C'est pas la famille Loud. Wow, bienvenue chez Loud. Ça, c'est parti des nouvelles générations de dessins animés qui sont... C'est spécial, tu vois, mais c'est... Je sais pas, c'est un autre style. C'est pas mal, ça marche bien. C'est pas mal, bienvenue chez les Loud. D'ailleurs, j'avais vu un épisode un jour, j'étais tombé sur un épisode. Parce que de temps en temps, enfin, c'est rare que ma fille regarde. C'est juste que quand on n'avait pas de truc, on mettait Gulli et ça passe sur Gulli. Et il y avait un épisode où il était en mode ouais, j'en ai trop marre. Parce qu'en fait, c'est un gamin qui est dans une famille, il a que des sœurs. Vraiment, elles sont 50 000 et il a que des sœurs. Et c'est un épisode où il est en mode putain, j'aurais bien aimé avoir des frères. Et là, il a que des frères. Il se réveille, frère, il a que des frères. Et à la fin, il veut avoir que des sœurs. Voilà, spoiler. Parce que les frères, ça lui casse les couilles. MBC, Monster Black Cock, mais c'est très bizarre ça comme dessin animé. Ah non, c'est pas le titre, rien à voir, Monster Buster Club, d'accord, d'accord, non d'accord, je connais pas du tout, je connais pas du tout, attendez, je vais aller voir, MBC, Monster, attends, on va taper Monster, Buster. Ah ouais, je m'en souviens. Monster Buster Club. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est français, hein, franco-canadien. 52 épisodes de 22 minutes. Et ça, la première fois en Asie, en 2008. En Europe, en 2008 aussi. C'est pas ma génération. 2009, encore une fois. Bizarre que tout le monde connaisse le MBC, mais bon. C'est bah le tour du monde en 80 jours. Mathieu, le tour du monde en 80 jours. Ça me dit quelque chose, mais je suis pas sûr de. Ah, les Dalton ! Ah, j'aurais pas eu alors. Encore en Grèce, j'ai jamais regardé les Dalton. Oh là là, Digimon, petit monstre. Tu...
passe ce soir. Putain, Digimon, la folie. Petit monstre, tu es le champion. Banger. Banger, mais dans notre tête, parce que si je revois... Putain, il y a un dessin animé de ça. Alors, vous savez que moi, comment j'ai découvert Lou, je savais même pas qu'il y avait un dessin animé, mais moi, j'avais la BD. J'étais abonné, peut-être que vous aussi, quand j'étais jeune, un enfant, j'étais abonné à Tcho, le magazine. Le magazine Tcho, et j'ai encore tous mes numéros qui doivent être chez mes parents, mais ça ressemblait à ça, hein, Tcho, le magazine. Ouais, c'était ça, Tcho. Magazine numéro 1. J'ai le numéro 1 chez moi. Je sais pas s'il vaut cher maintenant, mais. Attends, est-ce que je vais trouver le magazine? C'était la folie. Tu vois, c'était des. Je crois que c'était un bimensuel. Un bimensuel, ou je sais plus. Mais avec Captain Biceps et tout dedans. Oh la folie. Captain Biceps, c'était mon truc préféré. J'attendais trop. Et du coup, dedans, j'ai lu Malika Secousse, Frankie Snow, Lou qui est arrivé un peu plus tard. C'est peut-être arrivé au bout de Lou. Je sais pas, ça faisait 6-7 numéros. Et à chaque fois, il y avait un petit jouet, un petit gadget, un petit truc dedans. Ça ressemblait à ça. Voilà, ça ressemblait à ça. Et vous voyez, il y a Lou là, tu vois, qui est ici. 144 pages de BD et de jeux. Ça, les gars, vous avez pas connu ça. Votre enfance est à chier. Vraiment, ça, c'est la folie. C'est une enfance de fou. Et encore, ça, c'est un peu plus vieux parce que je vois ce qu'il y a là, c'est beaucoup plus vieux. Mais mon Dieu, c'est incroyable. C'est incroyable quand je revois ça. Ils sont chez moi, mais ils sont chez mes parents. Pff, oh là 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 là. Quelle époque. Ah, vous avez une enfance à chier, du coup. Bah, désolé. Désolé de vous le dire, les gars. C'est dommage. Tcho, le magazine. Banger. Frankie Snow et Captain Biceps, incroyable. Ouais. Ah oh, putain, je connais, je vais pas trouver. Ça y est, je suis frustré. Je suis déjà frustré. Non, je suis censé l'avoir de suite. Garfield. C'est le... American... Ah oui, mais oui. Mais là, c'est pas Koei qui fait la voix. Mon papa et puis Nanou va vite aussi leur faire un coucou. Bon, bah encore un animal qui a des amis à qui il arrive des aventures, j'imagine. Trop de Wish. Voilà, ça c'est nos ambiances. Allez, tous ensemble. Le chat. Jay, c'est conquérant de la lumière. Ouais, ça c'est du synthé des années 80, tu vois, on se prie, enfin putain. Allongez-vous dans l'herbe. Ok. Et regardez vivre cette drôle de petite bête loulou. Oh, la petite bébête. La drôle de petite bébête. Marie la fourmi, patouche la mouche. Petite bébête. Que tout le monde applique, filant vers un grand pays magique. Jacques le chien est finement. Oh merde, j'ai jamais vu ça, c'est bien. Moi je joue. Maintenant je connaîtrai, d'accord, Adventure Time, mais je joue Finn que sur. que sur un jeu malheureusement dead. Est-ce que c'est bien Adventure Time? Est-ce que, ouais, on m'a dit que c'était bien. Il y a plein de gens qui disent banger et d'autres qui disent ouais, c'est très spécial. Donc faut aimer, voilà. Faut vraiment peur de rien, Adventure Time. C'est Tintin. Je déteste Tintin, vraiment. Là, vous savez que ça, là, ça peut me mettre en traumatisme, cette musique. Je sais pas, j'associe cette musique à de l'angoisse. Je trouve que, de toute façon, toutes les notes et tout qui sont passées, oh, mais c'est horrible. Vraiment, hein, je pourrais tuer quelqu'un de chagrin, hein, en écoutant cette chanson. Hein. Ah, je déteste. Ah, ça m'angoisse, quoi, vraiment, hein, c'est pas une vanne, hein.
les nouveaux héros, j'imagine. Après, c'est en quelle année ça? On sait pas, nous aussi, on est trop vieux pour ça. J'ai ne l'impressionne. Les bananes, pampalala. Oui, bon, c'est City Hunter, mais le générique est incroyable. Attends, faut que je vous retrouve. Le mec, j'avais vu le gars qui faisait un karaoké de ça, là, ça m'a régalé. Nicky Larson, générique live. Mec, c'est un grand chauve et tout. Il est venu faire ça en légende et tout. Jean-Paul Césari, en 2019. Putain, attends, il nous fait la guitare. Bruno dans la radio. Ouais, bien sûr. Et sur mais le mec, il va en live, je vais péter mon crâne. Un coup de frein, les pneus qui crient. Un coup de feu qui retentit. La justice s'appelle l'unique dans la chaleur de la nuit. Le mal est toujours puni. Tout le monde. Ne l'impressionne. Ah, c'est incroyable la folie. Mais quelle enfance de fou on a eu. Hein. Les coulures, il les affectionne. Et la justice le passionne. Larson ne craint personne dans la chaleur de la nuit. Le mal est toujours là. Enfin, c'est. Je me coiffe. La puissance plat turbo est prêt à décoller. Il a les cheveux enflammés, regardez le foncé. Et ces deux sons l'utilisent toujours comme un vrai cobaye. Une journée type dans la vie de Johnny Test. Johnny Test. Eh bien, je n'ai jamais regardé. Je ne sais pas ce que c'est. Comme dans tous les pays. Ah, bah, au pays de Candy, donc Candy. On s'amuse, on ça, tu l'entends pleure, à la voix. On rit. Candy! Avoir des amis, c'est très utile. Ça, c'était des dessins animés, putain. Avec toute sa bande. Waouh! Avec toute sa bande. Nanana, oh non! Et partout. Le bricoleur, c'est Bob le bricoleur. C'est Bob le bricoleur. C'est sûr. Ou à réparer, il c'est Bobby. Présent, il s'appelle Bob. Le bricoleur, pam, padabam. Le bricoleur. Oui, on peut! Ah, c'est eux! Allez, c'est moi! C'est Tchoupi! Tchoupi! Allez, c'est moi, Tchoupi! Je marche dans la rue! Et ouais, putain, Tchoupi! Voilà, voilà, baba! J'ai de nouveaux amis, tous ensemble on rigole! On n'est plus des petits, on attend la sonnerie! C'est fini la récré, tout sort en s'il vous plaît! On va aller compter des sons! L'angoisse! Il a dit ninja, donc il doit y avoir des ninjas. Non, ninja, ninja. Ninja Go. Ah bah, aucun regret. Je connais pas. Ah, c'est les trucs de Lego, d'accord. J'aime bien le générique comme ça, très... c'est rock. C'est le rock des années 2000, ça, tu vois. Un peu à la Sum 41, à la Blink 198. Tu vois, ça, c'était banger, ça. Comme un rock. C'est Tortue Ninja. À ce qui paraît, cette version de TMNT est vachement bien aussi. En termes de comment ça s'appelle, de dessin animé. Je sais plus où c'est que j'ai lu ça la dernière fois. Parce que Tortue Ninja, en vrai, c'est un comic, c'est tout, c'est assez dark normalement. C'est, voilà. Et à ce qui paraît, c'est vachement bien cette version. In the desert. Oh, Lucky Luke! Il a pas peur de personne. There is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Lucky Luke, il a pas peur de personne. Jamais regardé Sonic, j'aurais jamais trouvé. Il y a un valcheux, il y a un mec qui court, c'est costaud.
Gawain. Inconnu, jamais entendu parler. Oh là 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 là, South Park. Je prends la route de... histoire de prendre un peu l'air. Je me coiffe, je me coiffe. Des gens gentils bien comme il faut. Je prends la route de South Park et j'oublie toutes mes galères. Y'a de la place pour se garer, tout le monde vous dit... Oh, hey, salut. Bonsoir. Ah ok. Ouais. Monsieur Bean. Ça, mon angoisse aussi. C'est vraiment le dessin animé. J'ai déjà vu passer aussi au secours. Oui, c'est la la la. C'est... C'est pas ça. Si, c'est ça. Belle et Sébaste. Non, c'est pas ça. C'est pas Belle et Sébastien, si. J'ai envie de dire que c'est Belle et Sébastien, mais... J'espère que c'est Belle et Sébastien, j'ai pas envie de dire une dinguerie. Je crois que c'est ça. Hein. On est là! Mais pourquoi c'est Olivier Russe qui chante? C'est quoi ce bordel? Tableau noir, Chuck, me voilà. Chuck? Tout ça, l'enfance, le petit. Il a dit quoi, Chuck? Nicolas. Ah non, le petit Nicolas. Ah non, aucun regret. Laisse-moi tranquille. Attends, mais... Nicolas, quitte la classe, chouette. Jamais entendu. Nos mélodies te plairont beaucoup. Nous jouons dans les jardins, en chantant de gais refrains, en dansant avec contrat. Il y a pas un mec qui a trouvé... Il n'y a pas un mec qui a trouvé ça et ça me fait extrêmement plaisir. Merci le chat de ne pas avoir trouvé les Mélodilous. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Waouh. C'est le Marsu? Non, c'est pas le Marsu. Si, c'est ça, c'est Marsu. Ouba, ouba. Ouba, ouba, c'est lui, le Marsupilami. Dans la jungle tropicale existe un drôle d'animal. Le mec qui chantait, on dirait il avait un gun posé sur sa teuté comme ça en mode chante connard. Et il avait pas le choix et du coup il était blasé. Dans la jungle tropicale existe un drôle d'animal. Ouba ouba c'est lui, le marsupilami. Ouba ouba c'est lui. Dans la jungle tropicale existe un étrange animal. Ouba ouba c'est lui. C'est bien Marsupilami, en vrai. Ça c'est Oli Poli Roli, malin tout cotouron. C'est dans Debout les Zouzous, Midi les Zouzous, c'est Oli Poli Roli. Injouable. Ah oui. Youpi. Hourra. Hourra. Au pays des cercles, des sphères avec lui que tourneront. Boum. C'est Oli Poli Roli. Poli Aouli. Incroyable, banger. 1, 2, 3, 4, Denver! Denver? Denver, le dernier dinosaure! 1, 2, 3, 4, Denver! Le dernier dinosaure! Le dernier dinosaure! Viens! C'est ton ami! Oh bah, ton ami est bien plus encore! Enfin, bah, tu es dégueulasse! C'est interdit, hein! C'est pas le droit de pas, c'est pas le droit de pas retrouver avec juste ces trois notes. Je suis une merde. J'ai pas le droit de pas retrouver parce que ça pue la merde. Et que j'ai interdit à ma fille de regarder ça. Comment ça s'appelle? C'est les trucs trop mal faits là, les cons, les Peppa Pig. Putain, c'est à chier, c'est de la merde. Mais ça, je vous promets, c'est le seul truc que j'ai interdit à ma fille de regarder. Là, je suis allé voir la belle-mère, donc les grands-parents et tout. J'ai dit, écoutez-moi bien, hein, vous leur mettez des pattes patrouilles et tout, d'accord, super, ok. Peppa Pig, c'est interdit. Et une fois, ils lui ont mis Peppa Pig et tout, elle vient à la maison, oh, je regardais Peppa Pig. Une fois, j'ai dit, non mais oh, ça suffit. Arrête de regarder ça, c'est débile. J'avais dit, hein, à ma fille, je lui dis, c'est des cons, hein, c'est des mongols. Donc j'ai dit, va regarder Pat Patrouille, c'est mille fois mieux. Au moins, ils font des trucs et tout. Peppa Pig, c'est débile, frère.
Non, pas de ça chez nous. c'est du halouf. Non. Peppa Pig, frère, c'est vraiment dramatique, soyons très honnêtes. C'est déjà que, moi j'en peux plus de Pat Patrouille, et ça vole pas très haut, tu vois. Mais Peppa Pig, c'est bête. Qu'est-ce que c'est bête? C'est bête. C'est bête. Voici mon petit frère Georges. Et voici maman. Et voici Peppa Pig. Tiens. Comment ça a pu avoir du succès, cette merde? Oh bah ça, est-ce que c'est pas Tom Tom et Nana? Je suis le roi. Et moi la reine. C'est sûr, c'est ça. Je lisais Tom Tom et Nana. Tom Tom et Nana, banger, les amis. En lecture. Incroyable. Tom Tom et Nana, c'était incroyable. Tex Avery. C'était, j'en ai parlé il y a pas longtemps avec un pote ça de Tex Avery, du générique qui n'avait aucun sens. Ils sont là, le monde fou de Tex Avery. Moi ça m'a traumatisé un peu ce dessin animé. Ils étaient tellement malades là-dedans là. Bienvenue dans le monde fou. Tex Avery avec lui le Mongol of all time, le taré. Ce personnage là, c'est un drame. Bah le dessin était cool mais très chelou quand même. Ah lui c'était la folie. Oh c'est Jeanne et Serge. Jeanne, c'est ça. C'est Jeanne et Serge ça. Serge, Jeanne, Serge, que pour l'épaule. Shana. On a évolué hein, sur le volet, on a eu Haikyuu entre temps, fort heureusement. Ça, c'est ouais, c'est la musique d'Arwan, ça, c'est la musique d'Arwan. C'est Sylvestre et Titi. Non, si, c'est ça, c'est Sylvestre et Titi. Gros miné. C'est ça. C'est Titi et Gros Miné, c'est sûr, c'est Sylvestre et Titi. Ça. Titi et Gros Miné. Mène l'enquête. Pas le générique incroyable. Je connais pas. C'est quoi Spiez, c'est quoi ce truc là? Spiez, nouvelle génération, c'est quoi cette merde? Spiez. Ah non, me dis pas que Spies de la génération. J'ai vu au graphisme, mais je refuse de croire que c'est ça. Ça a été visé 52 minutes, d'accord. Marathon Média, sorti en 2009. Et c'est censé. Me dis pas que c'est censé être une suite de ce que je pense. Et si, apparemment, c'est bien ça, mais c'est des malades ou quoi? D'accord. Ça a été un petit bidin, j'ai l'impression. Il y a eu 52 épisodes. C'est censé être la suite des Totally Spies, voilà, je vous le dis. 52 épisodes, là où Totally Spies, il y en a quand même un tout petit peu plus, il y en a 156. Ouais, bon, ça n'a pas marché. De souvenir, c'était... non, ça n'existe pas. Ouais. On va oublier ça. Ah oui, bah ça, je suis censé retrouver. Je vais pas l'avoir, je pense. C'est tout japonais, ça, je pense. Magical doré. Je l'aurais pas retrouvé le chat. Vous avez été très bon. C'est quoi ça? Putain, Heidi? Mais attends, mais c'est ce générique, Heidi? Il y en a qu'un de générique d'Heidi? Je sais pas, dans ma tête, c'était pas ça, le générique. Attends. Mais là, ouais. C'est pour ça que je l'avais pas. Ouais, je sais pas, j'ai bugué.
ferme en folie. Pas de... je connais pas. Pas de regret. On entend des petites boules derrière, c'est dans un laboratoire, hein, une connerie, non? Oh, c'est Ziggy et Charcot, non? Bon, c'est pas ma génération, mais ma fille a regardé un petit peu. C'est marrant, Ziggy et Charcot. C'est un peu dans le style des Oogie et les cafards et tout ça, mais entre guillemets, quoi. Mais c'est spécial. C'est, tu sais, des épisodes qui me triggerent un peu, et voilà. C'est avec, c'est dans la même veine, quoi. Comme Oogie et cafard. Ouais, c'est ça, c'est dans la même veine. Et c'est genre, lui, il est amoureux de la meuf, et enfin, il veut la graille de la meuf, plutôt. Et il y a le requin qui la protège à chaque fois. Enfin, ouais. Quand même. Viens mon Samy, on plie bagages. Je prends le billet, nous partons en voyage. On va rencontrer sur notre... Ah oh, c'est Dino Train. C'est ça non? Bien d'autres espèces sur le Dino Train. Dino Train. Dino Train. Oui, 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 ma fille a regardé ça, c'est pas mal. En vrai c'est bien Dino Train. Fais gaffe à la ch'telie. Quand il a des embrouilles, il se débrouille. Mais le singe, son copain, lui donne un coup de main. Il enfourche vaillamment son éléphant. Marguerite et Ursula sont toujours là. Georges, Georges, Georges de la jungle, il est notre ami. Ah non, qu'est-ce qu'ils ont fait à Georges de la jungle? C'est quoi ce bordel? La princesse de musique pop. Avec nous, les mains vers le ciel. Votre cœur ouvrira ses ailes. Je sais plus pour moi, ça c'est... Loli Rock, qu'est-ce que c'est que ça? Non, ouais, non, mais c'est pas... C'est, ouais, c'est pas... Je connais pas. Désolé. Ça devient plus dur, là. Il y a une bazar. Le pire, c'est que je crois que j'ai déjà vu un truc de ça. Mais pareil, j'aurais jamais trouvé. Ça a l'air ignoble. Oh, le malheur de Sophie, non, princesse, c'est... Non, c'est pas ça. Non, c'est Babar. Non, c'est Sophie, Babar. Non, je sais plus. Putain, c'était Babar. Babar, Babar, Babar. Ouais, c'est la Babar. Oh oui, on en a ras-le-bol de machin. C'est comment il s'appelle, Arthur? Je crois que c'est ça, hein. Partager et ensemble s'amuser. Allez, tous ensemble! C'est le même du point là qui est point serré, c'est Arthur. Arthur, pas mal. Oh, les mini-justiciers! En plus, c'est Zeb ça, les mini-justiciers! Ah merde, ouais non, j'aurais pas... J'ai jamais regardé. L'eau. Oh, Avatar, non? La terre. Voilà, commencé, elle a dit l'eau, donc... Avatar terre. C'est moi! Il y a très longtemps, je suis... quatre peuples vivaient en harmonie. Le Hangmaster. Mais un jour, la Nation du Feu décida de passer à l'attaque. Saloperie de Nation du Feu de merde. Avec pique et collégramme. Bah c'est piqué collégramme. Viennent ensuite le caracolant Max de Rouge. Oh non, c'est pas la famille Pierre à Feu, non. C'est... Malabar et Malabi dans leur fidèle coucou casse. Non, non, c'est, non c'est pas la famille Pierre à Feu parce que eux ils conduisent. Vu que c'est les fous du volant, non? Soit la famille Pierre à Feu, soit les fous du volant. En lanterne rouge, dans leur démon grand sport, les... C'est les fous du volant, bah oui, putain. De malfaisants compères, Satanas et Diabolo. Satanas et Diabolo. Une dinguerie ça aussi. Ça doit être nana, 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 nana. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Oh! Je vais pas l'avoir. Calimero, je l'ai pas, j'arrive pas à avoir Calimero, comment je peux être trop nul de pas avoir Calimero, frère? Calimero, t'es
J'aurais dû la voir. Oh, oh ça c'est un banger ça, c'est sûr c'est un banger. Oh la musique, on se la remet. C'est quoi les gars ça? C'est sûr que c'est un banger. Oh je vais pas trouver. Je vois l'orchestre, je vois le truc, mais qu'est-ce que ça peut être? Ok. Ah non, j'ai envie. Je crois que je vais dire une dinguerie. Je vais regretter. Je crois que c'est un truc de super-héros, mais. Mais c'est quoi? Est-ce que c'est... Non, c'était pas X-Men. C'était pas X-Men, c'est sûr. Est-ce que c'était pas la Justice League, le. Avec le générique à moitié en 3D. Bah, c'est la Ligue des Justiciers. Non, moi, je suis merde. Au moment où j'ouvre les yeux, c'est marqué dessus. Je pensais que c'était X-Men. Non, je vous promets que j'ai pas triché. Hein. Alors, là, la tête de ma mère, que j'ai pas triché. Générique en 3D qui était dégueulasse. Oui. Mais ça, ça passait que le dimanche. Et ça passait dans. Il y avait 4 et 2A. Et c'était pas genre F3X, F2X. Je sais plus. Non, c'était pas FR4, c'est sûr que ça passait. F3X, merci beaucoup. Voilà, merci. Bah, quand t'étais plus vieux, c'était F3X, quoi. Non, mais c'est pas une blague. Jamais entendu parler de toute ma vie. C'est très chaud. Il se transforme à volonté. Les barbes à papa. Court, long, carré. Mince, gros, court. Les gars, je vous conseille vraiment de ne pas regarder les barbes à papa. C'est très très cringe. Ça a très 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 mal vieilli, les barbes à papa. Et Arnold. Très facile, très facile. Jamais entendu parler. Amtaro. Ça passait sur Midi les Zouzous, Amtaro. Grande aventure. Je vais pas la voir. Oh putain, comment je peux pas avoir ça? C'est horrible. Tu verras pas, je le retrouverai pas. Comment je retrouve pas Futurama, frère? Comment je trouve pas ça, frère? J'ai regardé 100 000 épisodes. Non, je suis trop nul. Hein. Ça, j'ai déjà entendu, mais je retrouverai pas, je pense. J'ai entendu, mais c'est pas, je pense pas que ce soit ma génération, mais j'ai déjà entendu plein de fois ça. Ah, Gumball. Alors, parce qu'il paraît, en plus, c'est vachement bien, Gumball. C'est genre très bien écrit, quoi. Le monde incroyable de Gumball. Ouais. Ah oh, bah... C'est Animaniacs. Non, mais non, Good Morning USA, c'est n'importe quoi. J'ai dit les Animaniacs, frère. C'est American Dad. Oh, ça m'a, il m'a, j'étais brain dead. Le père américain. Ça pareil, c'est banger. American Dad, c'est incroyable. Aucun regret. Oh, les Razmoquettes.
tu. Avec Raptar. Ça, putain. Avec les grumeaux, la binocle, casse-bonbon. Le jeu, les gars, le jeu sur PS1, le jeu sur... Incroyable. Sabrina, l'apprenti sorcière. Aucun regret. Ça, par contre, je connais, mais c'est ma sœur qui regardait. Mais je ne regardais pas. Bernard Minet. Chevalier du Zodiaque. J'ai jamais accroché au Chevalier du Zodiaque, moi. Moi, j'ai vraiment une génération. Bon, c'est pas vraiment ma génération. Je suis trop jeune pour avoir vraiment connu le banger que c'est. Mais j'ai jamais kiffé, moi. Ça m'a jamais attiré, quoi. J'avoue, je suis curieux de savoir si vous êtes né. Un petit sondage, là. Un petit sondage pour savoir si vous êtes né comme moi. Bon, années 90, on va dire, tu vois, 91. Dans les années 90, les années 80, vous êtes né dans les années 2000, tu vois. Ça aiderait bien. Ça aiderait bien de savoir un petit peu tout ce truc-là. Parce qu'un mec qui est né début 90, il a peut-être pas les mêmes rêves qu'un mec qui est né en 98, 99, tu vois. Mais il faudrait qu'on puisse faire un petit sondage pour voir. Je vois que vous avez quand même pas mal de 2000, 97, 99. Peut-être des gens qui sont en 80 aussi, 90, 90, 2001, 95. Moi, je suis de 91, donc voilà, il y a vraiment de tout. Hein. 86, 97, 92. Oh là là, oui, il y en a des mots, il y en a des trucs. Hein. 96, 79, putain, du 79, Sartek. Hein. 59, peut-être un peu vieux, S.O.S. L'abuseur. Ok. Je vois qu'il y a toutes les générations. Tiens, il y a le sondage qui a été mis. Attends, je vais aller voir. Pour un tac. C'était mis avant 90, 91, 95, 96, 2000, 2000 et 2005, plus que 2006. Bon, plus que 2006. Quoique, en vrai, plus que 2006 maintenant, ça fait quoi? Ça te fait 17 ans. Ah ouais, putain, j'avoue. Ça serait quand même très jeune. Mais j'ai l'impression. Putain, vous êtes beaucoup, hein. 30% entre 2000 et 2005. 32% entre 96 et 2000. Bon, globalement, c'est les années 90 qui dominent. Mais et avant 90, vous êtes quand même 11% là pour l'instant. Mais la majorité, c'est entre 96 et 2000. Ok. Je vais me poser par curiosité. 91, 95. Vraiment de tout, quoi. Je vote où dans le chat? Dans le chat, il y a le sondage. C'est la folie. Entre 2001, oui, entre 2001 et 2005, quoi. On avait compris, j'imagine. C'est vrai. Bien vu, Casu. Si vous êtes né en 2001, vous avez le droit de... c'est le droit de mettre là. Mais au global, là, ça veut dire que sur cet échantillon, sur ce sondage, tu as 3, 4, 5, 6, 9, 5, on t'avait 60, 60, 70%, 70% des gens qui ont répondu au sondage dans le chat sont nés avant les années 2000, quoi. T'es fou, quand même. Ouais, tu vois, entre 96 et 2000, donc allez, on prend l'année 2000 aussi. Donc globalement, je peux avoir 9 ans d'écart avec des gens qui sont sur le chat, quoi. Et après, les plus jeunes, on va dire, 2000 jusqu'à 2006 plus, ça représente 30%. Donc ça va, hein. 12 personnes plus de 2006. Bah, c'est vrai, il y a 12 personnes qui sont pas majeures, là. Oh, oh, oh. Avant 90, on est ensemble, les gars. Bah, il y en a quand même un petit peu. Hein. Avant 90, vous êtes 11%. 92 personnes, là, actuellement. Dans le chat, encore une fois. Parce que c'est un échantillon sur le chat. C'est la folie. Hein. Ah, dernière pause, droit d'auteur. Thomas, le petit train. Jamais vu ça. Moi, j'ai découvert ça très tard. Petit ours brun. Voilà, c'est tout. Mon petit... Malin, tape tape dans tes mains. Petit ours brun. Saute saute les pieds joints. Petit ours brun. Salut. Oh,
Elisa de la jungle, la famille de la jungle, avec Nigel de la jungle qui a le zen le plus grand de l'univers. Il peut fumer sous la douche. Oh, c'est incroyable. L'enfant sauvage. Non, c'est génial. C'est moi. Ça, c'est la folie, ça. Je fais partie d'une famille ordinaire. Voici mon père, ma mère et ma sœur. Voici Banger. Tony, l'enfant sauvage que nous avons adopté. Et Darwin qui nous a, adopté. Et là, ce que vous voyez, c'est notre van. Parce que nous voyons... Oh là là, c'était la folie. Sors l'hydroglisseur, vite. Je suis à vos ordres, chat. C'est un peu vieux, mais je vois pas ce que c'est. Ah, c'est pole position, d'accord. Ah. Jamais connu. Jamais vu de ma vie. Mais parrain magique. Waouh, graphiquement, ça, c'est les mêmes mecs qui ont fait les super nanas, non? Moi, tu vois, j'aimais bien les super nanas et tout, mais ce style graphique, j'ai jamais été trop fan, quoi. C'est, tu vois, c'est, ouais, Dexter, tout ça, ça ressemble beaucoup. C'est pas mon... Ça me rebute un peu. C'est du Cartoon Network, quoi, ouais. Allez! Steven Universe, putain, d'accord. J'ai jamais entendu son opening, quoi. Ça a l'air d'être un truc de gentil, Steven Universe. Petit tonnerre, s'il y a Carrie, non? Du coup, puisqu'il dit petit tonnerre. Je... Par déduction, j'ai jamais regardé, mais je pense que c'est... C'est ça, non? Ouais. Jamais regardé non plus. Oh. Qui? Non, mais non. C'est Teen Titans. Putain, je suis une merde. Ça, par contre, j'ai regardé. Teen Titans. C'est la folie, ça. Les rois de la transformation, mais du coup c'est qui? Transformers, non? C'est ça. Putain, j'ai jamais entendu générique de Transformers. Oh, ça on l'a! On l'a ça, on l'a! On l'a! Je l'ai plat, je l'ai plus. Je l'ai pas. Putain, le malheur de Sophie, la connasse. Déteste le malheur de Sophie, mais qu'est-ce que c'est nul, bordel! Avec les animaux, il est jamais grognon. Ok. Il sait faire la fête, il est très chouette. Oh, il est trop Sean le mouton. Sean le mouton, putain, ma fille, regarde ça. Dans la lignée du Voilà, c'est Gromit et tout. C'est pas mal, Sean le mouton, c'est rigolo. C'est mignon pour les gamins. Ouais. C'est sympa, c'est, franchement, c'est sympa. Sean le mouton, c'est mignon. Sean le mouton. Bon, après, moi, j'ai du mal avec ce style graphisme. Le pouvoir dans les mains de mon s'affronte, c'est la rencontre. Ultime étape, dernière attaque. Que le bien gagne avec Bakugan. C'est quoi, Battle Brawler? Bakugan. Et avec ses... Putain, ma femme, elle aurait pété un plomb, elle adore Sailor Moon. Je vais acheter des trucs au Japon de fou sur Sailor Moon. Picsou, ça c'était le générique de fou, ça. Da Picsou. Ça c'était insane, ça. C'est le plus riche. Mes espérances. Mais j'ai peur qu'il ne tombe entre de mauvaises mains. Je vais donc l'envoyer dans un endroit sûr. J'ai quelqu'un qui l'aidera peut-être à devenir un vrai petit garçon. Robot Boy, c'est quoi ce truc-là? Putain. Cool, Robot Boy. Pff, ok.
Là, je suis perdu. Les derniers, c'est vraiment trop récent pour moi. Je reconnais pas. Léonard. Wix Club est déjà passé, les gars. Oh, oh. Ça me dit un truc, ça. Non, c'est pas vrai. Non, aucun regret. Aucun regret, vraiment. Ouah, il était une fois, pas la vie, mais il était une fois autre chose. L'univers, la mort, l'homme. L'homme, il était une fois l'homme. L'histoire, l'homme, c'était l'homme. Parce que ça, ça fait bader ce générique, hein. Ça fait vraiment bader de fou. Haute montagne et profonde vallée. Wow, wow, flot déchaîné à traverser. Pour le petit dinosaure. Non, non, aucun regret. Qu'un jour je deviendrai jolie, on dirait que... Sourire d'enfer. Ça, c'est sourire d'enfer. Sourire d'enfer. Eh ouais, putain, bah, 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 bah. Je crois que c'est ça. Je suis sûr que c'est ça. Ma soeur, regardez. Avec l'extrait, ouais. Avec son appareil, elle ouvre carrément son casier. Histoire de cœur. Bah, c'est Minus et Cortex, non? Que c'est ça. Les fous malades. Ah, les griffines, Family Guys. Ça, tu vois, ça fait partie des séries un peu adultes et tout. J'ai jamais accroché, moi, aux griffines. Pas mon délire. Not my delaya. C'est fini, les gars. Bravo à tous. On peut tous applaudir dans le chat. Blind test de fou spécial dessin animé. 170 extraits. Je trouve qu'on a été pas mal. Sur la fin, c'était beaucoup plus dur pour moi. Là. Moi, j'ai eu beaucoup de mal sur la fin. Mais globalement, je pense que j'ai plus de la moitié. Hein, très, très largement. Déçu, il n'y a pas eu Foot de rue. Non, mais c'est que tu viens d'arriver. Foot de rue, c'est littéralement la première, gars. extrait numéro 1. D'une génération. Voilà. C'est juste que tu n'étais pas là à ce moment-là, mon pote. Tout simplement. Bon, attends, on s'est fait un blind test, les gars. Ok, on s'est fait un blind test. Là, j'ai pris dessin animé. Est-ce qu'on ferait pas un blind test?